Et c'est la version 21, où à la fin, on va avoir une surprise. La surprise va venir après. Maintenant, on va regarder en détail les mélodies dont cette variation est composée. C'est presque une seule variation où Rachmaninov répète le thème du début, presque sans changement, intégralement. Je vais les jouer du début à la fin, et ajouter simplement quelques accords pour comprendre les harmonies. Pour chaque note de thème, au départ, ça, c'était une mesure. Pour chaque note de thème, il prend 10 mesures. Il remplit ça avec 5 notes plus 5, 10, plus encore 6, plus encore c'est les octaves doublées, donc c'est presque 20 notes qu'il remplit une note de thème. Le thème commence, dans le majeur. Et sur ça, il ajoute déjà un petit canon de la main droite. Je vais jouer parfois avec.
Ça, c'était donc première partie, première moitié du thème. Et maintenant, deuxième partie, on a l'impression de recommencer vraiment à zéro. C'est vraiment l'art typique, presque unique du Rachmaninov, de tourner sur un même endroit, de planer, sans perdre le cœur. Et toujours rester dans ce mouvement et toujours de continuer, continuer, continuer. Et avec ça, il arrive à élargir l'espace du piano qui est quand même limité jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de limite car il peut toujours continuer. Et si on recommence à zéro, et en fait, on a simplement une petite tierce au-dessous du début, on pense que c'est vraiment, c'est absolument un autre endroit d'où on va repartir. Je continue, c'est le thème. Et maintenant, ce thème dans le milieu très bien caché, très bien caché. On va revenir encore sur ça. C'est un nouveau piano. Il monte sur un intervalle qui n'est pas si grand, mais dans ce mouvement petit qui assume et qui maîtrise Rachmaninov si bien, ça paraît vraiment énorme, cette distance entre cette note-là et... On pense, on le ressent comme quelque chose d'énorme, comme énormément haut, comme énormément loin. Et tout ça en piano. Il finit ici le thème. Et tout ça, c'est... On sort lentement. On ne peut pas sortir brusquement de cette lenteur, de cette longueur. La main droite ici, on est dans notre fameux mouvement petit. C'est hier que j'ai découvert une chose qui m'étonnait. C'est une seule façon d'écrire qui change tout. Ici, c'est très bien noté, c'est très bien visible dans la main droite. On est 5 notes plus 5 plus 5 plus 5. C'est le petit mouvement que je pensais de comprendre, qui est lié. Et quand on regarde cela et on compare avec la deuxième partie, ici on regarde et on pense, ah, mais c'est énormément beaucoup plus. Certes, il a ajouté les octaves. Ces mouvements-là, ok, ils sont doublés par les octaves. C'est pas une seule note, c'est les octaves. Et quand j'ai vu ça, j'ai toujours pensé que il y a beaucoup plus de notes. Et qu'est-ce que j'ai vu hier? C'est même moins qu'au départ. Il y a, on avait 20, et ici on a 5. Plus 4, plus 4, plus 5. Il écrit ça comme les doubles croches. Et ça donne une autre tension, ça donne une autre idée, ça change rien dans le mouvement. Le mouvement n'est pas du tout plus vite, il est même plus lentement qu'au départ. Mais les octaves et cette concentration, même visuelle sur ça, ça nous prépare à quelque chose de très important. Ça nous prépare de lâcher ça ici. Il revient ici, à cette écriture d'un simple croche, comme ici. Il garde les octaves. Et à cet endroit-là, où la mélodie, il monte sur cette six là-haut, dont on a déjà parlé au piano, on a l'impression de complètement lâcher tout. Et planer. Et
garde les octaves. Il change. Il fait trois notes, contact 5 ici. Il enlève ces deux barres. C'est du bar qui fait noir, qui fait trop rempli cet espace-là comme ici. Il enlève ici et on est dans un autre endroit. Et en plus de tout cela, il y a encore les vagues. Ça, c'est une vague incroyable qui, avec le 1, 2, 3, 4, avec 6 notes, et ces 6 notes devraient passer pendant une croche. Cette vague, elle traverse d'ici à là. On voit très bien dessiner les vagues qui montent en vitesse, en verticale, et qui descendent très lentement. Elles montent et elles descendent lentement. Toujours je me demandais, est-ce que les vagues de la mer, est-ce que elles montent et descendent dans la même vitesse? Et ici, je vois la réponse. Cette variation, c'est vraiment Rachmaninov pur. Cette variation, elle respire, elle plane, c'est l'air, c'est l'eau, c'est l'univers entier. Et comme toujours, je vais jouer cette variation intégralement. Thank you.
maintenant, c'est la surprise. La surprise, c'est le passage entre la variation 21 et la variation 22. C'est deux pages. J'ai toujours me demandé pourquoi il ne pourrait pas écrire simplement encore une variation. Tout simplement car il n'y a pas de thème ici. C'est vraiment que les éléments pour nous conduire vers la dernière variation. Ici, on est à nouveau dans le songe d'une nuit d'été, comme on était dans la variation 15. C'est le scherzo typiquement orchestral. Il y a le solo, les solos du basson. Il y a les clarinettes qui me rappellent de deux voix qu'on avait dans la fugue. Mais ici, en staccato, j'aimerais bien jouer ce passage très très lentement pour écouter vraiment ces deux voix qui se bougent dans le même temps. Il y a les solos de tous les instruments, plutôt les instruments à vente. Ici, deux mesures assez étonnantes. Après le développement qui sûrement va nous conduire vers la culmination, ici, il y a le tutti, tous les instruments. Il y a le solo du trombone. Il y a les percussions ici, les basses. La cloche qu'on connaît déjà très bien. Et il y a tous les instruments à cordes qui travaillent vraiment ici au fond, dans la main droite. Et tout ça pour nous ramener après cette partie typiquement orchestrale à solo du piano qui commence ici. Et ça, c'est l'écriture pour le piano, comme dans les concertos pour piano et l'orchestre. C'est le passage du piano qui va nous ramener au triomphe de la dernière variation 22. Pour être vraiment clair, avant de réjouir, je vais vous montrer simplement l'enchaînement entre la variation propre, la variation 21 et ce passage à partie orchestrale.